Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom à Palache. Cette semaine, on a un invité un peu spécial qui est comme directeur général du E2RT. Alors, sans plus tarder, je vous le présente, Monsieur Jamie Saint-Hilaire. Monsieur Saint-Hilaire, je vous laisse vous présenter. Bonsoir. Jamie Saint-Hilaire, comme vous l'avez dit, directeur général à l'espace entrepreneuriat région de Telford. Ça, c'est le nom long, mais le nom court, ce qu'on aime dire, c'est E2RT. C'est un peu comme mon prénom, le 2 remplace les 2 E. Donc, voilà le pourquoi du E2RT. D'accord, c'est Une une abréviation. bonne chose que vous l'ayez dit parce que il y a beaucoup de gens qui se demandaient, E2, c'est quoi? Exactement. Essentiellement, nous, on couvre toute la MRC des Appalaches en tant que telle. On a des entrepreneurs d'un petit peu partout qui viennent utiliser nos services. On est un espace créatif de collaboration où est-ce que les gens peuvent louer des locaux, mais aussi peuvent avoir de l'accompagnement Primodic en affaires. Donc, c'est pas juste du mentorat, c'est du coaching d'affaires. Donc, on les aide là, sur tous les piliers clés de l'entreprise, que ce soit le marketing, la RH, en passant par la vente, on fait absolument tout. Vous avez fêté cette semaine ou la semaine dernière votre 5e anniversaire? C'est vrai, 5 ans déjà. L'espace entrepreneuriat avait vu le jour en 2015 dans la mouvance là, du fonds de 50 millions là, pour les sociétés tributaires du Chrysotile. Donc, ça a été un beau fonds qui nous a permis de fonctionner pendant 5 ans. On a des super belles retombées. En 5 ans, on parle d'une soixantaine d'entreprises qu'on a accompagnées et tout près de 150 emplois directs créés. Donc, on a plusieurs histoires à succès là, au sein de ça. De ces 150 emplois-là, il y en a-t-il plusieurs qui ont resté dans la région ou ça, parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent profiter de E2RT, puis quand ils ont réussi leur lancement d'entreprise, bien souvent ils vont s'en va ailleurs. Mais ici, il en reste beaucoup ici dans la région ou. Je dirais avec très grande confiance, au moins 80% des entreprises sont encore dans la MRC des Appalaches. Pourquoi que je dis 80%? C'est que l'autre 20%, souvent, c'est de la croissance. Je prends un exemple comme l'agence Les Prétentieux, qui sont un bel exemple, qui sont arrivés dans les premiers à l'incubateur. Eux sont rendus avec une succursale à Lévis, donc sont encore dans Chaudière-Appalaches et vont faire d'autres acquisitions dans le temps. Donc, c'est des emplois qui se créent de par le 2RT, mais dans d'autres endroits, étant donné que la structure, elle grossit. OK, mais ils ont encore leur siège social à Saint-Noël, Oui, dans exact. l'ancienne église. Exact, au centre d'affaires Saint-Noël. On a une belle collaboration avec eux. Entre autres, c'est eux qui ont élaboré notre changement de territoire de marque, notre logo, en avril 2019. Depuis ce temps-là, ça se passe bien. Bon, c'est bien. Vous parliez de la suite créative. La suite créative, c'est quoi exactement? Essentiellement, en plus d'avoir nos locaux, notre accompagnement, le 2RT travaille actuellement à se doter d'un créneau spécifique pour aider les entrepreneurs à se lancer en affaires. Ce qu'on s'est rendu compte dans la dernière année, c'est qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui sont surtout dans le domaine du service, puis la création de contenu, donc le créatif. On le sait, la plupart des entreprises maintenant se font directement en ligne, que ce soit par le commerce en ligne ou encore la photo, la vidéo, les vlogs, les blogueurs et un peu ce qu'on fait en ce moment là, de la télévision. Donc, nous, on a créé la suite créative pour venir répondre à cette problématique-là parce que plusieurs entrepreneurs n'ont pas de studio, que ce soit pour s'enregistrer, pour faire des vlogs, n'ont pas de studio photo, n'ont pas de studio vidéo aussi. On a des clubs de photos sur le territoire également. C'est très dispendieux de se lancer en affaires dans ce domaine-là, dans le domaine créatif, et aussi très dur de se faire financer. La plupart des entrepreneurs, quand ils vont voir le banquier pour lui dire, il me faut des caméras, il me faut un appareil Les photo, toiles de il faut des fond. toiles de fond. Tu vas faire quoi avec ça? Mais mine de rien, c'est vraiment un secteur d'activité que moi je trouve qui est de l'avenir, surtout dans le domaine du web. Donc c'est pour ça qu'on se lance là vraiment avec la suite créative qu'on s'est offert nous-mêmes pour la population de la MRC des Appalaches pour notre 5e anniversaire. OK, ça va être en location. C'est en location. Il y a possibilité de l'avoir par mois, c'est-à-dire d'être un incubé. C'est ce qu'on appelle chez nous les entreprises qui sont chez nous, on les appelle les incubés. Donc un petit peu comme un incubateur à poussins. Les entreprises viennent se faire accompagner puis ensuite volent de leurs propres ailes. Il y a deux espaces d'incubation
solution à la suite créative pour des photographes, des vidéastes qui peuvent utiliser non seulement les infrastructures qu'on a là, donc pour prendre la photo ou de la vidéo, mais peuvent aussi faire appel à l'accompagnement. Mais c'est disponible pour tout le monde. C'est-à-dire, un photographe peut venir, 35$ de l'heure, 90$ pour la journée. C'est vraiment pas cher payé pour le stock qu'on a là. Ça veut dire que si moi, je veux prendre des photos de famille. Ben oui. Et puis, je manipule bien la caméra, mais j'ai pas de toile de fond, j'ai pas l'éclairage voulu. Je retrouve tout ça chez vous. Oui. Et puis, pour 90$, je passe une journée complète avec tous mes neveux, mes nièces, mes enfants. Je les prends tous en photo. Ça m'a coûté 90$. C'est ça, exactement. En fait, la seule affaire que vous avez besoin, c'est d'amener votre propre appareil photo. Donc, OK, ça, c'est pas fourni. Ça. C'est pas fourni. Mais tout le reste, l'est. Ou à moins d'avoir un photographe professionnel qui vient. Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a procédé à la nomination de Lynn Gosselin à titre d'ambassadrice. Lynn a son studio photo depuis 6 ans, je dirais, là, Infini Photo Design. Puis elle peut... Si des entrepreneurs, par exemple, ont besoin de photos professionnelles, la preuve, quand j'ai été nominé en tant que directeur général, je n'avais pas de photos professionnelles. J'ai dû faire appel à un photographe. Donc, Lynn peut se déplacer moyennant un coût à ce moment-là pour prendre des photos pour des entrepreneurs. C'est pas établi dans E2RT. Elle est encore à Mac 2000, je crois. Elle est encore, oui, elle a son propre studio. Ça fait à peu près un an qu'elle l'a lancé, d'ailleurs. C'est très, très beau. Mais non, c'est ça, elle peut se déplacer. D'ailleurs, elle va donner 4 cliniques cette année à l'E2RT. OK. Sur divers sujets. Donc, autant pour les amateurs, les professionnels ou ceux qui aiment juste manier la caméra, on a 4 cliniques qui vont être lancées à partir de la fin mars. C'est intéressant. Oui. Jean-François Delisle travaille encore chez vous? Absolument. On a le cours de lancement d'entreprise qui est octroyé par le CFP Le Tremplin, donc la commission scolaire, qui est un très, très bon partenaire chez nous. On a l'enseignant qui est M. Delisle, qui est à même nos locaux. Et on a le cours de lancement, en fait, qui est dans notre sous-sol. Donc, les mardis, les jeudis soirs, les cours se font là. Puis, il y a plus d'une centaine de promoteurs dans les 5 dernières années qui sont venus. La réponse est bonne? La réponse est non seulement bonne, mais ce cours-là est très, très bon parce qu'il forme l'entrepreneur sur tous les piliers clés. Puis, une fois qu'ils ont ils ont fini leur cours, ils ont leur plan d'affaires, viennent pour le coaching, s'incubent à l'E2RT, puis après ça, le tour est joué, là. Ah, intéressant. Le coworking, c'est quoi ça? Le coworking, c'est plate parce qu'il n'y a pas de nom français pour vraiment qualifier ça. Mais c'est comme vous et moi, en fait. C'est comme si j'avais mon ordinateur ici, vous avez le vôtre. On travaille pas sur le même projet, mais on travaille ensemble pareil. C'est les nouveaux locaux où est-ce que les gens n'ont plus de paravent entre eux. On abat les murs. Les gens travaillent ensemble. Ce qui est vraiment important à l'espace entrepreneuriat, puisque ce que les entrepreneurs aiment le plus, c'est l'isolement de l'entrepreneur. La plupart des gens qui se partent en affaires travaillent de leur sous-sol à la maison, dans leur garage, de leurs parents. Tu parles pas à grand monde à part ton chat en allant à ta cafetière chercher un café. Hein? Donc, c'est pour ça, nous, à l'espace entrepreneuriat, qu'on dit aux gens de travailler ensemble. Parce que peu importe le secteur d'activité dans lequel tu évolues, tu vas avoir les mêmes problématiques ou les mêmes défis, les mêmes enjeux. Tu sais, un logiciel de comptabilité, que tu fasses des portes de remise ou que tu sois graphiste, la discussion a lieu dans les espaces de coworking. Ouais. C'est une nouvelle tendance. Je regarde pas l'office, mais l'efficacité énergétique, l'agence d'efficacité énergétique. On rentrait dans des nouveaux bureaux où c'est du coworking comme ça. Exactement. Il n'y a aucun des isoloirs, il n'y en a pas. C'est, tout le monde est en commun, choisissent leur place de travail le matin. Exact. C'est vraiment intéressant. Puis, on retrouve sensiblement la même chose au E2RT. On retrouve non seulement la même chose, mais moi, je suis le premier à jamais m'asseoir dans le bureau. Je suis toujours assis dans les espaces de coworking, souvent avec des entrepreneurs, pour montrer la disponibilité, en fait. Donc, si les gens ont des questions ou quoi que ce soit, bien, je suis toujours à disposition. Puis, c'est bien d'être dans des espaces communs. Comme ça, les gens en passent, ils ont une question, tu réponds ta question. C'est bon pour tout le monde, bref. Dans les débuts de E2RT, il y a eu des entrepreneurs qui étaient déjà en commerce, appelons ça comme ça, mais qui n'avaient pas de local. Oui. Ils se sont installés pendant une certaine période. Est-ce qu'il y a un temps limite où ils peuvent jouir de l'espace puis de l'équipement? C'est-à-dire,
Ça a été un questionnement pour notre conseil d'administration, je dirais, dernièrement. On n'a pas statué un nombre X d'années, mais ça va avec la maturité de l'entreprise. C'est sûr et certain que si tu es rendu à 5-6 employés, mais l'incubateur, c'est peut-être plus ta place pour le volet incubation. Mais ça peut être ta place pour le volet accélération. Tu peux quand même avoir besoin d'accompagnement. Parce qu'un entrepreneur en phase de croissance, c'est là que tu fais des erreurs. C'est là que tu as besoin d'avoir de l'accompagnement, du coaching. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, selon la maturité d'entreprise, que ça aille avec son chiffre d'affaires, son nombre d'employés, à ce moment-là, c'est ça qui vient déterminer quand ils peuvent voler de leurs propres ailes. Mais souvent, ça se fait naturellement. OK. Ouais. Le coaching, c'est qui le fait? Des mentors ou... Nous, en fait, on a le service de mentorat qui se donne par la SDE, qui OK. peuvent intervenir. Donc, c'est un partenaire dans le, ici, l'espace entrepreneuriat. C'est le concept. La SDE vient chaque mercredi pour rencontrer des entrepreneurs directement sur place. OK, puis... Mais on a une firme de Québec qui s'appelle Ambitio, qui sont deux coachs en affaires. Jean-Philippe et André, en fait, c'est nos coachs dans l'espace entrepreneuriat. Ils sont là également les mardis, jeudis. Rencontrent les entrepreneurs, 1 heure par rencontre. Donc, tu sais, c'est important pour l'entrepreneur, à la place de travailler dans son entreprise, de travailler sur son entreprise au moins 1 heure par semaine. C'est vraiment ce qu'on recommande. Les gens, je dirais, ils apprécient, sont gonflés à bloc quand ils sortent de leur coaching. Ces deux personnes-là sont rémunérées par un ministère ou par 2RT? Directement par le 2RT, on passe par des partenaires gouvernementaux pour nous aider dans ce projet-là, parce qu'ils sont conscients justement que ça fait un effet levier dans l'écosystème entrepreneurial. Donc, en nous aidant dans ce projet-là, ben, on a de la croissance, de la création de richesses auprès des entrepreneurs qui font appel à ces services-là. Ah, intéressant. Oui. 2 fois par semaine. Une fois par Une semaine. fois par semaine. 1 heure, donc 4 heures par mois, mais l'entrepreneur peut en prendre plus si jamais il y en a OK, besoin. là, il fait à ses frais à ce moment-là. C'est tout à leurs frais. Nous, on charge 100 $ par mois pour du coaching. Ah, OK. Oui. Puis vous chargez aussi pour la location du local Oui. qui est... Ça commence à 250, ça va jusqu'à peu près 400 $. OK, Donc, ça... ça dépend de la grosseur du local. Ouais. OK, puis ça donne une belle occasion à l'entrepreneur de commencer à peu de frais. Exactement. Parce que les locaux d'affaires sont quand même pas mal plus dispendieux que ce qu'on peut trouver C'est non au seulement 2RT. dispendieux, mais nous, on est un peu un centre de services partagés où est-ce que chaque entrepreneur, on a quelqu'un à la réception. Donc, si quelqu'un veut venir rencontrer tel entrepreneur, bien, il y a quelqu'un à l'entrée. T'sais. L'entrepreneur n'a pas nécessairement à avoir tous les chapeaux. Ils ont tous le même photocopieur, ils ont de l'Internet, ils ont du café. Fait que, ils se sentent chez eux, mais chez nous en même temps. OK. Moi, je leur dis tout le temps, bienvenue chez vous. Les entrepreneurs viennent, rencontrent leurs clients, s'en vont dans les salles de pas de réception, là, mais des salles de réunion. C'est pas mal plus cute que de rencontrer ton client dans ta cuisine ou dans le sous-sol chez tes parents. Ouais. Vous occupez un espace qui appartenait à Desjardins Oui. sur la rue Notre-Dame. Avez-vous l'édifice au complet? L'édifice au complet n'est pas exploité à sa pleine capacité. On a un troisième étage qu'on attend de voir quel projet on pourrait avoir là. À date, il y a la suite créative qui en prend à peu près 20 % du troisième étage. Mais sinon, je dirais, on occupe pas mal tout l'endroit. Puis, on a eu une bonne nouvelle justement du gouvernement du Québec, là, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. On a eu une subvention justement pour organiser une salle d'entraînement physique au sous-sol. La plupart des entrepreneurs nous le demandaient. C'était anciennement la salle des employés. La salle des employés Desjardins. Ça va devenir une salle de conditionnement physique parce qu'il n'y a rien de plus important que le conditionnement physique quand tu es en affaires. Puis étant donné qu'il n'y a pas personne qui a d'horaire, ben écoute, c'est une panne d'inspiration entre 11 h puis midi, ben c'est le temps d'aller au gym. Puis, va-t-il y avoir des trucs de loisirs comme une table de billard ou... Ça fait un bout que j'y pense, ça, sincèrement, mais... Je ne sais pas encore, là. On voulait des tables de ping-pong et tout ça. Il y en a qui veulent avoir une salle de yoga. Fait qu'écoutez, on essaie de plaire à tout le monde. On commence avec la salle de conditionnement physique. La balance, on travaille là-dessus. C'est de l'équipement que vous avez fourni ou... C'est une subvention d'un certain montant qui va nous permettre de faire l'acquisition de machines. Évidemment, de remettre les lieux, là, beaux, si on Ouais. veut, pour un gym. Parce que... Ventilé aussi. mieux ventilé, parce que c'est ça, un espace de conditionnement physique, il faut que ça soit bien ventilé. Donc, on est vraiment content. On va probablement faire affaire avec une compagnie dans Chaudière-Appalaches qui vend du seconde main de OK. l'équipement. Donc, Ouais, ben, il y en a beaucoup hein, qui se sont lancés dans l'achat d'équipements, puis que finalement, ça n'a ça pas répond fonctionné. plus. Au...
C'est ça. Fait que on le fait surtout, nous autres, pour un espace où est-ce que les gens peuvent se libérer l'esprit. Puis d'après vous, est-ce que ça va attirer des entrepreneurs? Nul doute là-dessus. Moi, je pense qu'il y en a certains que ça va être plus attirant parce que ma compétition, moi, c'est pas les autres locaux commerciaux, c'est le sous-sol où est-ce que les gens travaillent. Les gens s'organisent un bureau dans leur maison, travaillent de leur propre maison. Il y en a plusieurs entrepreneurs qui sont à leur compte directement chez eux. Donc là, quand tu te dis, ah, ben à l'autre place, pour pas si cher que ça, j'ai mon local, j'ai du Wi-Fi, j'ai du café, j'ai un gym sur place. Une photocopieuse, Photocopieuse, ça commence à être intéressant, un là. fax. Un fax, oui, il y en a encore qui l'utilisent. Ben, c'est ça. Mais le téléphone est fourni aussi, je présume. Le téléphone n'est pas fourni, tout le monde a des Mais tout le monde cellulaires. a des cellulaires, oui. Sinon, on a de la téléphonie IP qu'on appelle. Donc ça passe par l'Internet filaire. Fait que ça, c'est Fait que intéressant aussi. les communications sont rapides, la recherche se fait rapidement aussi, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'entrepreneurs qui font de la recherche. Il y en a plusieurs qui font de la recherche, il y en a qui sont programmeurs informatiques, puis ils me le disent, ils disent, nous, on vit en périphérie de la ville de Thetford, puis on n'a pas l'Internet haute vitesse à la maison, on n'a pas le choix de s'installer à l'E2RT, on n'ira pas travailler à la bibliothèque du Cégep à tout temps, donc c'est pour ça qu'ils s'installent à l'E2RT, fait que ça aussi, ça l'attire des gens, là, pas de doute. OK. Puis, y a-t-il des ententes faites avec Oléotech, entre autres, ou le Cégep pour le truc du plastique, là, CTMP. CTMP? Oui, c'est-à-dire, on a toujours eu une entente avec le Cégep, les deux centres de recherche, les deux CCTT. Donc, si on a un entrepreneur qui a besoin de faire une batch pré-industrielle, par exemple, dans le domaine de la chimie verte, bien, c'est sûr qu'il peut le faire chez Oléotech. Moyennant un certain frais, mais nous, on est capable de faire le pont vers là. Il y a aussi le programme d'accès à l'expertise, le CTMP, qui offre aux entrepreneurs. Puis je prends le meilleur exemple, Pixo, chez nous, qui fait des murs de douche, a utilisé le bon d'accès à l'expertise. C'est 300 $ que ça coûte. Puis ça te permet de tester ton produit. Lui, ses murs de douche, en fait, il voulait s'assurer qu'à la chaleur de l'eau, au contact de l'eau, il n'allait pas avoir des émanations toxiques pour OK, le ouais, c'est client. Donc, c'est le important. genre de choses que l'expertise CTMP a été vraiment un game changer, je dirais, là, excusez l'anglicisme, pour son produit. Puis le Cégep, bien, s'il a besoin de... On a quelqu'un qui veut usiner des pièces, mais il peut toujours utiliser Il y en a d'équipements au Cégep, là. Oui, puis ça peut être pour des cours aussi. Ça peut être pour des cours. On a des étudiants, nous, chaque année, en plasturgie, qui viennent faire leurs cours directement à l'E2RT. Donc, on a des ordinateurs, des locaux installés pour eux. Ils sont là justement en ce moment, les étudiants en plasturgie. Puis on se comprend, c'est vraiment un domaine, c'est des métiers de demain. Donc, c'est pour ça qu'ils sont ici. Okay, les murs de douche sont-ils encore là? Les murs de douche, oui, sont encore là. Est-ce que vous vous en servez finalement? Ben, c'est-à-dire, il y a une douche modèle au sous-sol, mais je ne l'ai jamais personnellement utilisée. Non. Mais c'est sûr qu'avec la salle de conditionnement physique, ça se peut qu'elle soit utilisée à ce Oui, moment-là. c'est vrai, c'est Oui. vrai. Parce que j'avais visité, puis ça fait déjà quelques années que c'est Oui. là. Je pensais peut-être que ça a été enlevé, mais non, elle est encore là. Non, c'est ça, Gabriel, le propriétaire justement de Pixo Mur de douche, il est encore chez nous. OK. Ça va faire un an et demi environ qu'il est installé chez nous. Puis son expansion, ça va ou... Croissance va bien, absolument. Il y a eu un gros changement dans la dernière année. Mais c'est des changements structurels, puis pas nécessairement pour Gabriel, mais pour toutes les autres, hein. C'est d'engager son premier employé. Après ça, c'est d'avoir assez de job pour cet employé-là pendant Ouais, un an. ouais. C'est pour ça que le coaching, c'est vraiment important, là. Ouais. Puis ça devient une motivation peut-être pour les autres de voir qu'il y a des réussites. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est sûr que ça, c'est ils s'entraident entre eux. Parce que vous me parliez tantôt d'une soixantaine de réussites à date. 60aine d'entreprises accompagnées. C'est sûr, là-dedans, il y en a certains qui ont mis leur projet sur pause ou qui ont juste arrêté leur projet. Mais c'est une belle façon de tester le produit. Hein. Oui, puis de tester, savoir si on aime ça aussi. Absolument. Parce que ça peut servir à ça. Moi, j'ai une idée d'entrepreneur, puis je veux me lancer, puis je m'en vais là, puis je m'aperçois que c'est pas un domaine, ça, il doit en avoir eu de ça aussi. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est pas si facile que ça en a l'air, hein? Ouais. Je veux dire, faut essayer, faut monter un solide plan d'affaires, faut avoir, c'est plus qu'avoir une idée puis de la porter, là. Puis le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est l'épicerie zéro déchet qui vient d'ouvrir ses portes, l'idée verte qu'on appelle. C'est sur Notre-Dame, tout près du centre d'affaires à Saint-Noël, là, qui vient d'être lancé. OK. Amélie, la propriétaire, elle a fait appel au coaching chez nous, puis elle a fait le cours de lancement, là, avec Monsieur Delisle.
Puis elle avait testé son produit, ses produits. C'était des produits zéro déchet. Puis elle est allée au marché public. Elle s'est rendue compte que les gens achetaient au marché public. Donc, elle s'est dit, crème, il y a un marché, donc je vais lancer mon épicerie. Donc, c'est sûr nous, on dit aux entrepreneurs, commence petit à petit. Parce que, tu sais, des fois, on a des visions très, très grandes. Puis, c'est important de commencer étape par étape. C'est bon. Est-ce qu'il y a des comptables qui vont donner des cours aussi? Parce que lancer une entreprise, c'est toujours aussi question d'argent, puis question de savoir comment retirer des subventions, peut-être. Avez-vous des comptables? Êtes-vous affilié comme avec, je sais pas, moi, Raymond Chabot ou. Oh, ça a été le cas par le passé. C'est encore le cas quand certains le demandent. On a un réseau de référencement, comme on dit. Donc, on envoie l'incubé, s'il dit, écoute, j'ai besoin d'un comptable, en as-tu un? On l'envoie. On lui montre les OK. différentes options. Mais nos deux coachs, on en a un qui est CPA. Donc, il est comptable agréé. Fait que c'est sûr que lui, il peut aider l'entrepreneur. On ne monte pas le budget à leur place. Non. Mais on les aide à ce moment-là. Tu sais, des fois, un bon pro forma, ça aide. Oui. Tu sais, commencez pas à zéro, là. Puis, point de vue juridique. Point de vue juridique, je vous dirais, ça, on réfère. Parce qu'il y a beaucoup de gens en affaires qui disent, bah oui, c'est facile, va t'enregistrer de telle façon, ou t'as rien que besoin de faire ça. Fait que ça, les oui-dire, on fonctionne pas aux oui-dire, on les envoie vers des professionnels. Les notaires, particulièrement. Notaire, avocat, tout dépendant, parce que si vous êtes deux actionnaires, bien, c'est important d'avoir une convention d'actionnaires pour Oui. commencer. Oui. Ouais, mais c'est mon ami, oui, mais encore, c'est important de le faire. Donc, c'est sûr qu'on conseille, puis on envoie vers les bonnes ressources, autant pour ceux qui ont besoin d'avoir un copyright sur quelque chose ou la propriété intellectuelle. Donc, ça, on les envoie vers des professionnels dans le domaine. Est-ce que vous en avez eu à date? Des gens qui ont besoin de copyright? Ouais. J'en ai deux qui m'ont demandé ça. Ça, c'est enregistré à Ottawa. C'est-à-dire, faut que tu passes par des avocats spécialisés. On n'en OK. a pas sur le territoire ici à Thetford. Non, ben c'est rare, hein? Souvent, on les envoie vers Robic, du côté de Québec. OK. Mais la propriété intellectuelle, c'est spécial, hein? Il y a plusieurs avenues. Puis le meilleur exemple, je le fais tout le temps avec le Coca-Cola. Ils n'ont pas de copyright sur le Coca-Cola. Ah non? C'est un secret industriel. C'est juste t'assurer que tes employés disent pas c'est quoi la recette magique. Puis c'est comme ça que tu vas garder ton copyright le plus longtemps possible. Donc, ça, c'est le meilleur exemple du secret industriel. Puis Crocs, tu sais, les souliers Crocs, c'est la même affaire. Pourquoi qu'il y a OK. autant de faux Crocs au Dollarama? C'est parce que c'est un secret industriel. Ils n'ont Hey. juste pas trouvé la bonne. Tu le dis en anglais, c'est des crocs qu'on dit. Des crocs, ouais. C'est ça. D'ailleurs, c'est québécois. Oui, c'est vrai. Oui. Puis c'est peut-être pour ça que la première entreprise avait fait faillite. Il Ouais. avait été copié, puis Ouais. il n'y avait pas de protection juridique à ce moment-là. Faut faire attention avec ça parce que souvent, c'est les produits qu'on va chercher à protéger avec la propriété intellectuelle. Puis, si tu l'as posté sur Facebook, c'est du domaine du public, tu peux plus faire de copyright. Il faut que tu te OK. caches vraiment loin. Faut que tu te caches, tu ne le montres pas à personne, puis là, tu demandes ton copyright. Ça, c'est enseigné par les coachs un peu? On réfère. OK. On réfère parce qu'on n'a pas la prétention de tout savoir dans le domaine. On a des bonnes idées de comment ça fonctionne. On sait ce qu'on ne doit pas faire, mais on ne peut pas commencer là, du brevetage pour eux. Donc, on les envoie voir des professionnels. Mais c'est assez dispendieux. Il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner, des façons de faire pour augmenter la participation chez vous? La participation chez nous, en fait, moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est que c'est un endroit dynamique puis plaisant de travailler. T'sais, les entrepreneurs de tous les secteurs peuvent être chez nous puis travailler sur les mêmes enjeux, les mêmes défis. Je dis souvent aux gens, arrêtez de vous isoler puis travailler de la maison, puis venez à l'espace entrepreneuriat, que ce soit pour 3, 4 mois, 5 mois, peu importe. Puis dites oui à l'accompagnement. On pense souvent en affaires, ah, je suis capable de le faire moi-même ou mon oncle, lui, connaît ça. T'sais, dites oui à l'accompagnement. Ne serait-ce que de payer 100 pièces par mois, c'est pas cher payé pour s'amener vraiment sur la bonne voie. Parce que tout le monde fait la même erreur. Ils en parlent avec leur chum, leur blonde, puis ils en parlent avec leurs amis, mais eux autres sont fans de ce que vous faites. Oui. On a besoin d'avoir quelqu'un qui est vraiment hors de votre quotidien pour vous dire, t'es sûr que c'est une bonne idée? Ou est-ce que tu as pensé à telle ou telle chose? Donc moi, si j'ai trois conseils, dites oui à l'accompagnement. Mettez sur papier vos idées. C'est très important parce que j'ai mon plan dans ma tête, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que tu vas te faire financer. Puis la troisième chose, ayez du plaisir dans ce que vous faites. C'est important d'être passionné par votre entreprise parce que vous allez être le meilleur vendeur pour votre produit ou votre service. Donc, soyez passionné, dites oui à l'accompagnement, puis venez à l'E2RT. Puis la SDE aide aussi à monter le plan d'affaires.
Tout à fait. La SDE, en fait, peut vous aider vraiment à monter le plan d'affaires, du côté du mentorat aussi, mais surtout de cibler, en fait, dans le domaine dans lequel vous êtes, qui sont les compétiteurs? Le marché, est-ce qu'il y a de la place ici? Ouais. Est-ce que c'est saturé? Est-ce que tu as pensé à aller dans tel secteur? Donc, tu sais, nous, on travaille tous main dans la main, que ce soit la SDE, la SADC, que E2RT. C'est pour ça, en fait, que la SDE sont là un mercredi par semaine à l'E2RT pour rencontrer les entrepreneurs. Puis la SADC aussi viennent de temps à autre pour rencontrer les gens directement chez nous. Donc, il y a vraiment un beau dynamisme au sein de l'écosystème entrepreneurial. Intéressant, mesdames, messieurs. E2RT, c'est l'endroit où vous devez vous envoyer vos entrepreneurs en herbe pour qu'ils puissent avoir un bon soutien. Monsieur Saint-Hilaire, un gros merci. Et si jamais les gens ont des questions, ils peuvent toujours vous contacter Absolument. à E2RT. Alors, merci et à la semaine prochaine.